Peskoi, roulade de choux. Ingrédients: 8 feuilles de choux frisés, 150 g de viande de bœuf, 100 g de saucisse, un œuf, un verre de vin rouge, un demi-verre de marsala, de la sauge, du romarin et du laurier, de l'ail, de l'huile d'olive, du beurre, du sel et du poivre, du parmesan râpé, de la noix de muscade et du vinaigre de vin blanc. Préparation. Coupez la viande de bœuf en morceaux, puis en petits dés. Puis hachez-la à l'aide d'un couteau ou d'un hache-viande afin de la rendre plus fine. Ensuite, replacez-la dans une assiette. Prenez maintenant la saucisse. Ôtez-lui la peau et hachez-la finement. Puis émincez un oignon. À présent, prenez la sauge. Séparez les aiguilles de romarin de sa branche et émincez les deux herbes. Épluchez deux gousses d'ail et émincez-les. Puis, mettez-les dans une assiette avec les autres ingrédients. Occupons-nous maintenant de la cuisson. Après avoir fait bouillir 3 litres d'eau dans une casserole, faites chauffer une poêle contenant 2 cuillères à soupe d'huile. Versez-y l'ail et l'oignon que vous ferez revenir. Puis, versez l'équivalent de 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc dans l'eau bouillante. Faites cuire les viandes avec l'ail et l'oignon. Puis, peu de temps après, les herbes émincées. Ajoutez 2 pincées de sel et faites sauter pour amalgamer les ingrédients. Moulez du poivre et mélangez. Faites blanchir les feuilles de choux dans l'eau acidulée. Arrosez les viandes avec du vin rouge. Puis, laissez évaporer. Contrôlez la cuisson des feuilles de choux. Entre-temps, émincez finement quelques feuilles de choux et unissez-les aux viandes qui sont en train de cuire. Arrosez avec un verre d'eau et poursuivez la cuisson. Égouttez les feuilles de choux dès que la nervure centrale commencera à devenir tendre.
Retirez les viandes du feu et laissez-les refroidir. Disposez-les dans un grand bol. Ajoutez quelques poignées de parmesan. Et râpez la noix de muscade. Ajoutez une poignée de poivre, un œuf et amalgamez les ingrédients. Prenez à présent les feuilles de chou et disposez la farce au centre. Refermez les roulades et posez-les d'un côté. Lorsque tous les ingrédients ont été utilisés, prenez de la ficelle et liez les roulades de sorte que la farce reste en place. Faites maintenant revenir deux gousses d'ail avec deux cuillères à soupe de beurre. Puis unissez la feuille de laurier. Disposez les roulades dans la poêle et faites-les revenir. Retournez-les et faites dorer l'autre côté. Retirez les gousses d'ail, la feuille de laurier et couvrez si cela est nécessaire. Arrosez avec une goutte de marsala et laissez évaporer. Ajoutez un verre d'eau. Couvrez. Et poursuivez la cuisson pendant une dizaine de minutes. Une fois la cuisson terminée, disposez les roulades dans un plat de présentation. Vous pouvez décorer le plat à l'aide de petits dés de poivron rouge et arroser avec le fond de cuisson. Servez !